chacune et à chacun, Dieu dit ce matin, sois la bienvenue, sois le bienvenu, tel que tu es aujourd'hui, je t'attends, je suis là pour toi, car je t'aime. Oui, soyez les bienvenus, vous qui vous êtes déplacés ce matin, pour vous mettre à l'écoute de la parole de vie, une parole qui relève, qui envoie. Vous êtes venus de chez vous, d'ailleurs, de votre monde quotidien en tout cas, pour vous retrouver entre ces murs, assis à une bonne distance les uns des autres, mais quand même ensemble. C'est cela l'Église, la communauté de celles et ceux qui se lèvent pour répondre à l'appel que Dieu ne cesse de lancer et qui cherche à mieux discerner le sens de cet appel. Et l'une des façons pour cela, c'est de venir au culte, pour se mettre ensemble devant Dieu, recevoir une parole de vie et d'amour pour soi, et entendre que cette parole d'amour et de vie est adressée également à tous ces autres qui sont là, avec lesquels peut-être je n'ai aucune affinité, ou que je ne connais pas, ou que j'apprécie. Mais peu importe, en chacune de ces personnes, en chacun de vous, en chacune de vous, Dieu appelle le plus beau, le meilleur de la vie, et il nous espère. Cela nous invite à la louange que nous commençons avec le premier chant, « Certes, c'est chose belle de te louer, Seigneur ». Poursuivons la louange avec les mots du psalmiste. Je t'aime, Dieu de ma vie, toi mon roc, ma source, mon énergie et ma joie. Mon libérateur, c'est toi. Je me réfugie auprès de toi, ma citadelle, mon bouclier, ma plénitude. Dès que j'entre dans la louange, ce qui m'abîme n'a plus de prise sur moi. Des vagues de désespoir roulaient sur moi, des torrents de découragement déferlaient sur ma vie. J'étais pris dans les mailles d'un filet. Dans mon angoisse, je criais « Éternel, au secours !» Il a entendu ma voix, il n'est pas resté sourd à mon cri.
Il déchire les cieux et dans la nuée, il vient à notre rencontre. Il envoie au-devant de lui ses messagers. Il vient sur les ailes du vent. Il se cache dans la beauté de la nuit. Oui, Dieu m'a tendu la main, il m'a tiré du gouffre, délivré de toute cette haine dressée en moi et contre moi. Il m'a libéré de ma peur. L'Éternel a été pour moi une brèche dans le mur. Il m'a sorti de ma prison, il m'a conduite vers la lumière. Il a fait cela pour moi parce qu'il m'aime. Mon Dieu, qui trouverait à redire à ton dessein sur nous? Ta parole est plus précieuse que l'or pur. Il n'est pas d'abri plus fiable pour celui qui te fait confiance. Toi qui décuples mes énergies, toi qui m'ouvres la route, tu me montres la vie comme un défi, comme une lutte pied à pied. Et ton amour fait ma force. Tu es mon bouclier, mon défenseur. Tu entends mes appels. Tu me fais accomplir des pas de géant. Et ce qui me tue n'aura pas raison contre moi. Point de relâche avant la victoire. Ce qui me fait mourir n'aura pas le dernier mot. Tu es ma force. Avec toi, le mal a perdu son venin. Et je verrai les forces de mort se dissiper comme de la poussière aux quatre vents, comme la boue qui dévale les ruelles. Tu me confies une tâche à remplir, une mission pour le monde. Vive Dieu, mon rocher, béni soit mon Dieu, que son nom soit sanctifié. Dieu qui prends en main ma cause, Dieu qui me délivre, Dieu qui me rend ma dignité d'être humain et m'entraîne loin des violents. Je te célébrerai aux quatre coins du monde, je chanterai ton nom. Il est là, le Dieu sauveur. Il dit, voici ma bien-aimée, voici mon bien-aimé. Le Seigneur fait de grandes choses pour secourir celui qu'il a choisi. Longue vie à sa postérité. C'est dans cette assurance que Dieu nous est secourable, que nous pouvons nous placer devant lui, avec nos failles, nos erreurs, nos égarements, pour lui demander aide, pardon et guérison, comme le faisait David. Aie compassion de moi, ô mon Dieu, dans ton amour. En ton immense tendresse, efface mon péché. Lave-moi à grande eau de cette boue. Mon péché, je le connais. Ma faute est là, sous mes yeux sans répit. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, oui, moi je l'ai fait. Mais je n'ai pas peur de toi, tes jugements sont justes, et tu n'es pas un juge qui condamne. Purifie-moi et je ferai peau neuve. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Rends-moi le goût de la joie et de la fête, et qu'ils dansent mes membres accablés de tristesse. Détourne ton visage de mes fautes. Guéris-moi de mon passé. Ô mon Dieu, recrée au-dedans de moi un cœur pur. Redonne-moi courage. Ne me retire pas ton souffle. N'écarte pas de moi ton visage. Rends-moi ta joie libératrice. Greffe en moi ton esprit de générosité. Et à mes sœurs, à mes frères, j'enseignerai tes chemins. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu trouverais un goût douteux au châtiment que je m'infligerai. Ce que je veux t'offrir, c'est ma peine, mon cœur brisé, mon cœur contrit et tout son chagrin. Cela, tu ne peux pas le repousser. En ta bienveillance, bénis tes enfants. Reconstruis sur les ruines de nos espoirs dévastés. Amen.
vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce qui nous remet debout. Voici ces paroles de grâce et d'amour qui nous sont transmises ce dimanche par les mots du prophète Jérémie. Voici, les jours viennent, annonce de l'Éternel. Oui, les jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle avec Israël, avec la maison de Juda. Pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où j'avais saisi leurs mains pour les faire sortir d'Égypte. Bien qu'ils aient abandonné mon alliance, moi, je les ai épousés. Oui, voici l'alliance nouvelle que je conclue avec la maison d'Israël après ces jours. Je donnerai mon enseignement en leur sein. Je l'écrirai sur leur cœur. Je suis à eux comme Dieu. Ils sont à moi comme peuple. Tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Oui, je pardonne leurs fautes, je ne m'en souviendrai plus. Amen. Thank you.
Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Éternel, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Éternel, nous ouvrons les pages de l'Écriture que parle ta parole. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33, le dernier enseignement public de Jésus. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes. « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Amen.
Qu'est-ce qui vous a amené au culte ce matin? Peut-être que vous avez l'habitude de venir tous les dimanches et que vous ne vous posez plus la question. Ou bien vous aimez venir de temps en temps et retrouver des mots, des chants, des murs familiers. Peut-être que vous aimez beaucoup la musique de Vincent. Ou bien alors vous n'avez rien d'autre à faire et les cultes sont un moment agréable. Vous vous réjouissez de retrouver des gens, des visages connus, des personnes que vous appréciez. Toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ne sont pas à négliger ni à cacher comme honteuses. Elles sont valables. Notre pâte humaine est faite de tout cela. Et puis elles peuvent venir appuyer, étayer des raisons d'un autre ordre, peut-être plus difficilement saisissables, mais qui sont d'une manière ou d'une autre présentes, quand on prend la peine de sortir chez soi, un jour de bise, le dimanche matin, alors que cet acte est au mieux considéré par la plupart de nos contemporains comme un peu excentrique, signe d'une nostalgie d'un temps révolu, et au pire, comme risible, comme signe de votre manque de raison. Ces raisons plus profondes peuvent être que l'Évangile vous touche, que vous voulez l'écouter, chercher à le comprendre pour votre vie, ou bien vous vous sentez appelé d'une manière ou d'une autre par un autre, et vous avez besoin de vous mettre devant Dieu dans la prière. Vous aimez Jésus, vous voulez apprendre à mieux le connaître. Je ne sais pas quelle serait votre réponse, mais se demander une fois de temps en temps ce que nous venons chercher au culte, c'est un bon exercice spirituel qui nous reconnecte à notre désir profond, ou pour le dire autrement, à ce qui en nous relève d'un autre, d'un ailleurs. Dans notre récit, des Grecs venus à Jérusalem pour la Pâque juive s'approchent du groupe de disciples de Jésus et formulent leur désir profond à Philippe avec ces mots. Nous voulons voir Jésus. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une exigence. Il s'adresse à Philippe avec déférence en l'appelant Seigneur. Non, c'est la simple expression de ce qui les a mis en mouvement ce jour-là. Ces Grecs qui viennent à Jérusalem pour la Pâque sont ce qu'on appelait alors des craignants Dieu. Des gens qui s'intéressent de très près à la religion juive, qui en étudient les textes, qui respectent les grandes fêtes et le Shabbat, qui vont à la synagogue, mais qui ne sont pas officiellement convertis. Ils ont une vraie recherche de Dieu. Ils lui font une grande place dans sa vie, dont ce pèlerinage à Jérusalem est le signe. Arrivés à Jérusalem, ils ont entendu parler de Jésus. Peut-être ils l'ont vu entrer dans la ville et être accueillis comme un roi ou un messie. En tout cas, quelle que soit la façon dont ils ont connu l'existence de Jésus, ça les a interpellés fortement. D'une certaine manière, ces Grecs représentent les lecteurs de l'Évangile, ceux de la fin du 1er siècle, comme nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes des étrangers par rapport au monde dans lequel vivait Jésus. Nous aussi, nous nous confrontons à la barrière de la langue, puisque les Évangiles ont été écrits dans une langue qui n'est pas la nôtre. Nous aussi, nous connaissons d'abord Jésus par lui dire. Quelqu'un nous en a parlé, nous en a dit quelque chose. Ne serait-ce que les témoignages architecturaux et picturaux de l'histoire de l'art dans notre région du monde. Et un jour, nous nous sommes sentis appelés à approcher un peu plus. Nous avons cherché à en savoir plus, à voir Jésus comme ces Grecs. En entendant parler de Jésus, ils ont compris que quelque chose se manifestait là qui pouvait rencontrer leur propre recherche. Et ils cherchent à rencontrer personnellement Jésus. Alors il s'adresse à Philippe, qui porte un nom grec, qui vient d'une région où le grec est très répandu. Et ce qu'ils veulent, c'est voir Jésus. Pourquoi voir et pas lui parler? Peut-être parce qu'ils pensent que Jésus ne parle pas leur langue. C'est possible, mais en plus de cela, il faut savoir que dans l'évangile de Jean, le verbe « voir » est très important, et notamment dans les récits de la résurrection, dans lequel le « voir » conduit à la foi. Notamment pour le disciple bien-aimé qui court au tombeau et dont il vit et il crut. En mentionnant que ces gens veulent voir Jésus,
L'Évangile pointe donc une recherche ardente de Dieu, qui pourrait déboucher sur la foi. Mais il y a quand même une ambiguïté. Ce même verbe pourrait aussi être utilisé pour un voir tout à fait banal. Et peut-être veulent-ils voir Jésus pour pouvoir rajouter à leur récit de voyage qu'ils ont vu ce rabbin qui déplaçait les foules à Jérusalem, comme on raconte qu'on a vu la tour Eiffel à Paris. Il y a de l'ambiguïté, mais est-ce que leur ambiguïté, est-ce que notre ambiguïté, est un problème pour approcher Jésus? Philippe et André rapportent à Jésus la requête des étrangers. Et j'ai l'impression, comme à son habitude, il répond à côté. On lui dit que des Grecs veulent le voir, et au lieu de répondre oui ou non, il répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comment comprendre ça? Alors d'abord, il faut noter que Jésus prend très au sérieux la demande de ces Grecs. Il y répond longuement, je vous ai cité que le tout début. Et il donne du poids à sa réponse en développant la notion de glorification et en utilisant ce « Amen, Amen, je vous le dis », une formule qui signale ce qu'il dit comme essentiel. Oui, Jésus considère que la demande de ces Grecs, même avec son ambiguïté, est à honorer. Il l'accueille et il la pousse encore un peu plus loin avec cette notion de glorification qui oriente vers un voir qui ne passe pas par les yeux, mais qui voit au-delà des apparences. Avec ces Grecs comme avec nous, Jésus prend les gens exactement là où ils sont, avec leurs élans sincères, leurs peurs, leurs ambiguïtés. Et il le fait pour pousser un tout petit peu plus loin, pour faire un pas de nous avec, vers la vie pleine et entière qui nous est promise. Je vous parle de vie pleine et entière, et Jésus lui parle de sa glorification, de la mort du grain et de haïr sa vie. Creusons un peu. Quand Jean parle de la gloire de Jésus, quand il parle de sa glorification, il parle de la manifestation de la puissance de Dieu en Jésus. Quelle puissance? C'est ce qu'explicite la toute petite parabole du grain de blé. La fameuse formule « Amen, Amen, je vous le dis », qu'on traduit parfois par « en vérité », nous dit que cette image n'est justement pas juste une image pour nous distraire. Elle dit le cœur même de l'enseignement de Jésus. Elle dit l'essentiel. Oui, la courte parabole du grain tombé en terre nous dit l'essentiel de ce qu'est la glorification, la manifestation de la puissance divine en Jésus. Elle nous dit que la manifestation de cette puissance est une mort qui multiplie la vie. Alors, à nos yeux et nos oreilles humaines, ça semble impossible. Mais le grain tombé en terre nous aide à saisir un peu mieux. Il nous dit premièrement que la mort de Jésus est une étape nécessaire, mais pas définitive. Elle est nécessaire, réelle, douloureuse. Et dans la plante adulte, il n'y a plus de traces du grain. Il a disparu. À vue humaine, il est mort. Mais à bien y regarder, le grain qui germe se transforme plus qu'il ne meurt. Du grain jaillit une racine vers la terre, une première feuille vers la lumière. Alors que si le grain reste grain, replié sur lui-même, sans germer, à notre vue, il n'est pas mort puisqu'il est toujours visible. Et pourtant, là est sa vraie mort, puisqu'il n'a pas multiplié la vie dont il était porteur et qu'il va pourrir en terre. La parabole du grain tombé en terre nous dit avec force de ne pas nous arrêter aux apparences. Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. Nous ne pouvons plus le toucher, le voir ou l'entendre. Et pourtant il vit aujourd'hui pour nous. Et notre présence ici ce matin en est un témoignage parmi des millions d'autres. Aujourd'hui encore, des centaines de millions de personnes vivent la vie semée en Christ.
La deuxième chose que je voudrais relever ce matin à propos de ce grain tombé en terre, c'est que les grains que porte la plante, issus du grain tombé en terre, ne sont ni identiques à ce premier grain, ni identiques entre eux. Ils sont issus de fleurs qui ont été fécondées, et la fécondation a mêlé à ce grain autre chose, du nouveau, de l'adaptation, du changement. Le grain Jésus semé dans la terre de notre humanité donne naissance à bien des rencontres uniques. La rencontre avec l'aveugle-né n'est pas la même que celle avec Nicodème, ni que celle avec la femme amenée devant Jésus pour cause d'adultère. La rencontre de Jésus avec vous n'est pas la même que sa rencontre avec votre voisin ou votre voisine, ou avec moi. Il dit des choses différentes à chacun. Il se vit des choses uniques dans chaque rencontre. Chaque rencontre est un fruit nouveau, différente de toutes les autres. Et ce n'est pas un malheur. Mais au contraire, c'est une manifestation de la puissance de vie qui habite Jésus. Pourtant, et c'est la dernière chose que je voudrais dire, dans cette pluralité, il y a une part de permanence. Les grains portés par la plante portent une partie du programme génétique, celle qui dit la disposition et la forme des feuilles, les racines, le mode de reproduction, la capacité d'adaptation, et une autre partie encore plus fondamentale, la capacité à porter à son tour la vie. Dans chacune des rencontres que nous pouvons vivre avec Jésus, il y a des fondamentaux qui nous sont transmis à travers le temps et qui seront transmis à travers nous aux générations futures. Car celui que nous rencontrons est toujours le même, Jésus-Christ, et pas un autre. Chacun le rencontre différemment, mais il y a des points communs. Une orientation vers Dieu, la conscience d'être créé, de nous recevoir d'un autre, que la vie nous vient d'ailleurs. La confiance de pouvoir appeler cet autre Abba, Père, Papa. La confiance de pouvoir nous appuyer sur son amour et sa justice pour devenir un peu plus humain à l'image du Christ. L'espérance de pouvoir devenir chaque jour un peu plus des frères et des sœurs, les uns et les unes pour les autres. L'assurance aussi que la mort n'aura pas le dernier mot sur nos vies et que pour nous aussi la mort sera une mort pour la multiplication de la vie. Je ne sais pas ce que sont devenus les Grecs qui voulaient voir Jésus ce jour-là. Je ne sais pas ce que vous et moi deviendrons dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ce que je sais, c'est que chacun, chacune, vous êtes un de ces grains portés par la plante issue de la mort du Christ. Et que chacun, chacune, vous portez cette promesse que les puissances de mort, quelles que soient les formes qu'elles prennent, n'auront pas le dernier mot sur votre vie. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades et alités, pour celles et ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leurs joies et leurs peines, leurs rires et leurs questions. Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où l'on se découvre inconditionnellement aimé. Tu t'es arrêté chez Zachée qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour celles et ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds de tes disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour celles et ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant le prochain. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour celles et ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent et qui tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent à la réconciliation, qui lancent des passerelles, qui osent le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église et pour toutes celles et ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de notre action. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a laissées et qui fait de nous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons vers la fin de ce culte et c'est le moment des annonces. Alors tout d'abord, merci à chacune et à chacun pour votre présence brillante dans ce culte. Merci à Serge et à Vincent pour la musique et pour les chants, à Pascal pour les lectures et à l'équipe d'accueil, à K.O. qui permet que ce culte puisse être partagé au-delà des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Nous approchons, vous le savez, de la Semaine Sainte, alors je voudrais juste vous faire quelques petites annonces. D'abord, les offices du milieu du jour, les jeudis, il y en a un cette semaine et un la semaine prochaine. Enfin, la semaine suivante, il y en aura un la Semaine Sainte. Et puis, pendant la Semaine Sainte, il y aura une méditation lundi, mardi, mercredi, jeudi à Champelle. Et puis, un culte pour le Vendredi Saint, un culte pour Pâques, évidemment, ici. Cette année, nous pourrons célébrer Pâques ensemble, même si avec les restrictions du Covid. Voilà, nous arrivons à la fin avec le dernier chant que Serge et Vincent vont nous interpréter. Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon sauveur m'envoie. Et pendant ce chant sera recueillie votre offrande qui permet à l'Église de continuer à annoncer l'Évangile.
invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. La parole d'envoi nous est donnée ce matin par le poète Jean Lavoué. Sois en paix avec ce Dieu qui cherche à t'élargir, à te mettre debout, à t'éveiller. Envisage sa paix, compose avec sa force. Ouvre ton cœur à sa lumière. Laisse-le te prendre pour te réchauffer. Agrandis encore son feu. Fais-lui cortège d'un autre ciel. Assure en toi l'éclat de son matin. Et pour que cela soit possible, recevez la bénédiction du Dieu pour qui la mort n'est pas le dernier mot, mais la multiplication de la vie. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il te donne sa paix. L'Éternel lève vers toi son visage et t'accorde sa grâce. Va dans sa paix, dans sa force, et tu porteras du fruit. Amen.